Allez, là il faut traverser. Bon, ça va mal au pied là. Putain, je suis éclaté. C'est pas facile là, c'était pas facile. Allez, Thibaut, allez. Bienvenue à Team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, la Team Shape, c'est parti. On va escalader le Mont Blanc. Putain. Petite information, la Team Shape, le Mont Blanc, c'est 4800 mètres de haut, c'est le toit de l'Europe. Première étape, rendez-vous aux Zouches. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude et on va prendre le téléphérique de Bellevue qui est juste derrière nous pour nous amener un petit peu plus haut. Mais avant toute chose, la Team Shape, on va pas faire le Mont Blanc en t-shirt Team Shape et en short Team Shape, on va s'habiller un minimum. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc la Team Shape, Guillaume, ça va être mon guide. Avant de faire le Mont Blanc, j'imagine qu'on va pas y aller en short. Et non, on risque d'avoir des températures à moins 10, moins 20 degrés. Ah, même si j'ai un petit peu de poils, moins 20 degrés, ça va être... Saison passée, il faudrait des poils d'ours là. Alors, niveau équipement, comment ça se passe alors? Donc là, il va te falloir des chaussettes techniques, des chaussettes un peu chaudes. Donc ça, j'en ai acheté, ouais. Nickel. Et c'est quoi? Elles sont en quoi, ça là? Elles sont en mérinos, c'est ça? Mérinos, c'est du poil de mouton. Ok, donc voilà. Ça c'est bon, on n'aura pas de mal. Là, tu n'auras pas froid. Je les monte comme ça, ouais. La deuxième. Donc chaussettes, c'est bon. Ok, donc pantalon maintenant, ça. Donc j'enlève le short, bien sûr. Hein. Hop, allez. On espère que les cuisses vont être utiles pour la montée. Là, ça va être jour des jambes à fond, là. Ok, donc pantalon, c'est ok. Donc, est-ce que le t-shirt Team Shape, ça passe? Team Shape. Malheureusement, tu vois, c'est bien pour tes salles de sport, mais là pour ici. Oh là 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 là! Faudrait que tu mettes un t-shirt respirant. Est-ce que t'as ça? J'ai un truc comme ça à manches longues là. C'est parfait. Allez, on fait tomber le t-shirt. Ça y est! Ah non. Je suis réservé, je suis timide. Allez! J'espère que les pecs vont être utiles pour la montée. Et là, avec le t-shirt là, ça sera un peu plus chaud. Les chaussures, important, donc les chaussures de montagne. C'est des chaussures spéciales, c'est des ça? Tu vas pouvoir mettre des crampons dessus. Et ah, voilà. On aura besoin de crampons, ouais. Tac. Est-ce que je rentre le pantalon à l'intérieur ou. Non. Ah oui, on pense au style même. Est-ce qu'il y a une technique pour lasser les chaussures? Ouais, je suis un peu assisté, je suis désolé. Oh, allez, c'est parti. Et pareil pour la deuxième. Tac, tac. Ah non, faut faire à l'envers. Attends, il y a un bug là. Ah putain, je suis pas très doué, je suis désolé. Les chaussures, faut faire gaffe parce que c'est ce qui va nous sauver la vie pendant le truc. Hein. T'as pas des tongs sinon Très bien, c'est bon, je suis bien dedans là. Ça va m'accompagner pendant toute la montée. Là, tu l'as pendant 24 heures, hein, 48 heures. Ça va aller? Ok, c'est bon. Sac à dos, comme Dora l'exploratrice. Mais elle a pas des crampons dedans. Ah ouais, c'est ça, montre les crampons. Waouh, ça c'est des crampons ce truc. Incroyable. Ça donc tu l'auras sous le pied. C'est pour accrocher la neige. Accrocher dans la neige la glace, parce qu'on va être dans la glace. Ah ouais. Et c'est ce qui va te tenir quoi. Ta vie elle va tenir là-dessus. Je sais pas trop si ça me rassure. Il a vécu dans le sac à dos, non? Tous les sommets il a réussi celui-là. C'est vrai? J'espère qu'il va porter bonheur. Dans ton sac, il faut que tu mettes ça, ça s'appelle un sac à viande. Ok, c'est un duvet, d'accord. Ouais. Des couches chaudes. Alors ça c'est quoi? C'est une doudoune? C'est comme une petite doudoune. Tu vas me voir de loin avec ça, non? Ça fait un peu bonhomme géant vert là. Ça moule un petit peu, c'est très bien. T'as pas la version débardeur pour le. On en prend une deuxième quand même, encore plus chaude. D'accord, deux doudounes. Demain on va être quand même, s'il y a du vent à 50 km/h, tu vois, on aura du moins 15, moins 20 facilement. Donc là, au niveau des fringues, t'as tout. Il va te falloir un casque. Un casque? Pourquoi un casque? Il faut un casque pour te protéger d'une éventuelle chute de pierre ou d'une petite chute. Vaut mieux être toujours protégé, d'accord? Voilà. Parfait. Voilà, il n'y a plus qu'à régler. On est très beau. L'arme! Ça, c'est pour les ours, ça. Alors, si tu te fais attaquer par un ours, tu peux y aller, tu peux le planter, mais je ne conseille pas. Alors, dis-moi donc tout. Ça, en fait, c'est un piolet. Et comme un bâton, il va te servir de marcher dans la neige, il va t'aider à te tenir, à te stabiliser. Et il y a des moments où ça sera assez raide et tu vas devoir planter ton piolet et tirer dessus. Ah ouais? Ok. J'ai pris un thermos. Voilà, nickel. Il te faut des gants. Alors, j'ai ça. Ouais, ça va être un peu limite pour le Mont Blanc. Ah ouais? Tu vas les laisser dans ton sac, là. D'accord, ok, très bien. Donc, je vais te donner une première paire de gants un petit peu technique. Ah oui, c'est des gants pour les travaux, ça. C'est pas des gants pour les travaux, c'est des gants d'alpinisme. Ah ouais. Oh. D'accord, ok. Donc les gants comme ça. Des gros moufles. Et là, c'est des moufles si vraiment il fait très froid. Et là, t'as par moins 40. Donc ça devrait être bon. Là, avec ça, t'es calé. Super. J'ai un buff pour ma tonton du coup. Ouais. J'ai plein de barres protéinées. J'ai pris des chaufferettes au cas où il fait froid. Crème solaire. Parti. Ah, il va faire chaud, on va bronzer un peu ou pas? Ah, tu vas bronzer. Et au passage, un grand merci à PayPal pour avoir financé la vidéo. Jean, je vais vous montrer comment effectuer un paiement en ligne sécurisé via PayPal. Donc là, je vais payer le guide. Donc j'ai besoin de son adresse email. C'est quoi ton adresse email? Ajouter un message. Merci Guigui pour ce Mont Blanc. Ok. Donc là, solde PayPal entre proches. Paiement reçu en quelques secondes. Envoyé. Vous avez envoyé le montant à Guillaume avec le petit message. Merci Guigui pour ce Mont Blanc. Terminé. Et voilà. Ok, Team Shape. Bon, bah c'est parti. Hein. Apparemment, il n'y a plus le choix. Let's go. Hein, écoutez. Yes, merci beaucoup. C'est bon, j'ai fait le Mont Blanc, ça y est. Ok, la Team Shape, c'est parti, on va prendre le téléphérique, c'est la première étape. C'est juste en haut, c'est parti. Bonjour. Si jamais j'arrive pas jusqu'en haut et tu me pousses. C'est très joli, il y a de la neige en haut. Plus on monte, plus on a les oreilles qui se bougent déjà. Pas mal là, là on a l'aiguille du midi. C'est poli. Allez. C'est quoi c'est ce qu'on voit en haut là, qui est très très haut là? C'est l'aiguille de Bionacé là, pas le Mont Blanc. Ok. Pour te dire, ça c'est juste à 4000 mètres. Il y a encore 800 mètres encore au-dessus. Waouh. Qu'est-ce qu'on va faire là de suite? On va prendre un trail. Qui nous amène directement au Mont Blanc. Oh, directement au Mont Blanc, calme-toi. Non. Là on va s'arrêter à 2600 mètres d'altitude. Et après on va marcher pendant quoi? 2 heures, 2 heures et demie? On va marcher 2 heures. Déjà on prend le petit train, ça me va très très bien.
Ok, la Team Shape, c'est parti, on monte dans le petit train. À la base, le petit train, il amenait jusqu'au sommet du Mont Blanc. Puis après, il y a eu la guerre et tout, première guerre mondiale, et du coup, bah, c'est arrêté. Du coup, on va finir à pied. Allez, c'est parti. Du coup, Vanessa, tu vas nous accompagner. Ben ouais, pas le choix. Eh ben ouais. Du coup, Vanessa, je l'ai rencontrée via l'intermédiaire d'un pote à moi. Et c'est elle, en fait, c'est grâce à Vanessa, du coup, qu'on a rencontré Guillaume et qu'on a pu faire le séjour aujourd'hui. Merci de me mettre dans cette galère. On remerciera demain ou pas? Ouais, grave. Est-ce que Vanessa, toi, t'as l'habitude d'aller sur des montagnes un petit peu? Moi, c'est ma profession et ma passion. Ok. Donc, oui, j'ai l'habitude. Après, ça va, je la découvre avec toi. Génial. C'est cool. C'est quoi la plus haute montagne que t'es faite? Le Kilimandjaro. Combien de hauteur le Kilimandjaro? 5895. Et à côté de ça, t'es infirmière. Voilà, c'est ça. Ok, donc, on va pas rester trop loin. D'accord, on va rester assez proche au cas où il se passe quelque chose. Est-ce que tu as un petit conseil à me donner là? Un seul. C'était du mental. Du mental? Ouais, il y a que ça. C'est parti, il va falloir du mental alors. Au revoir. À bientôt, j'espère. Ok, allez, on sort. Et maintenant, on va marcher pendant 2 heures. Il y a les oreilles un peu bouchées comme dans l'avion. Et là, bah, on y est quoi, on est dans la montagne. Et ben, bah, c'est parti, let's go. Pour le Mont Blanc, on sera aussi accompagné de Jean-Michel. Est-ce que tu connais un petit peu la montagne toi? Comment ça se passe? Ouais, je la connais un petit peu. Ça fait une trentaine d'années que j'y vais. Derrière la caméra, il y a Max. Tu dis coucou, Max. Coucou. Jean-Michel, c'est le père de Max simplement qui va filmer la vidéo. Tu l'as fait combien de fois le Mont Blanc? Oh, ça je saurais pas dire. Ah ouais, ça veut dire que beaucoup de fois? Ouais, j'ai arrêté de compter. On est bien encadré alors. Ok, j'ai une dernière chose. Est-ce que tu peux mettre tes lunettes s'il te plaît? Est-ce qu'on dirait pas Polnareff? Polnareff. Est-ce qu'on dirait pas Polnareff avec les lunettes? J'ai 10 heures par jour de trim. C'est un compliment, c'est un compliment. Pour l'instant, le cardio ça va. Pour l'instant, ça va. C'est le début. encore heureux. On est bientôt arrivé. Combien il pèse le sac à dos là? Ouais, t'as une dizaine de kilos. 10 kilos, ah ouais, donc. Et tu prends quoi? C'est un gilet lesté le truc quoi. Ok, c'est parti, du coup, ça y est, on attaque la neige. Ça y est, les premières neiges. Alors, ça, c'est on n'est pas sur un glacier, on est sur de la neige éternelle, quand même pas tout à fait éternelle. On appelle ça un névé. Un navet? Un névé. J'ai mis les lunettes de soleil parce que la neige, elle commence à réfléchir et ça nous éblouit vachement. Je sens que les jambes commencent à congestionner un petit peu. Allez, j'irai voir un petit peu en haut. Tu me dis quand on peut faire un petit peu. La neige là. Je peux voir la neige? Ouais. Ok, là. Les chaussures commencent à frotter un petit peu pour les ampoules. On va s'arrêter, mettre un petit peu de pansement pour prévenir les futures ampoules. Ok, petite pause haut. C'est important de boire, Guillaume. Ah, il faut boire, alors pas de petite gorgée parce qu'en fait, t'as pas beaucoup d'eau en montagne. Contrairement à ce que tu peux croire, c'est la grosse réserve d'eau. Là, avec Vanessa, heureusement qu'elle est là, hein. Infirmière Vanessa. Infirmière de haute montagne. Je vais commencer à mettre des. Comment on appelle ça? Des patchs? Des compides. L'idée, c'est que j'ai pas encore d'ampoule, mais c'est vraiment en prévention. Ah, ok. C'est là, hein. C'est ici, ouais, ça, c'est ici. Parce que... Déjà, on voit que ça brille. Hein. Ouais, parce qu'après, quand t'as des ampoules, c'est fini. Allez, deuxième bobo. Allez, deuxième, quoi, ça commence bien. Ok. En haut, je vais en avoir partout à la fin du truc. Ah, on a bien rigolé, maintenant on y retourne. C'est bon. Fais attention à tes pas parce que t'as quand même du vidéo. T'es en train de respirer. Tu marches sur tes pas. Le cardio ça va pour l'instant encore. Ouais. Les ampoules un petit peu qui continuent à apparaître. Il commence à faire faim. Ça fait combien de temps qu'on marche? Qu'on marche à peu près? Une heure. J'ai l'impression que ça fait 10 heures qu'on marche. Tu sais que c'est un petit peu faim. Petit peu protéiné, petit peu nutrition bien sûr. Ça fera du bien un peu de glucides pour recharger les batteries. Comment va la Team InShape? Eh ben écoute, la Team InShape va bien, j'ai mangé un petit peu, j'ai bu un petit peu, j'ai fait un petit pipi, c'est bon, on peut continuer. Encore combien de temps de marche? Bonne heure. Ok, on va prendre le temps, on va prendre le temps. Allez, à tout à l'heure. C'est ça, on continue, on continue. Hop, hop, je vais péter la gueule. Hop, prendre ça demain, t'as pas le droit. Ouais, ouais. Comment tu te sens Thibaut? Ah, là, concentré. Vraiment concentré pour le coup. J'essaie de pas faire d'erreur, de bien inspirer, de bien souffler. Là il y a Guillaume qui me coach un peu sur les montées rocailleuses là parce que demain on va en avoir pas mal. Donc voilà, ça fait entraînement et performance en même temps, c'est cool. C'est que du plaisir. On reviendra pas ici tous les jours donc on en profite. On est tout cœur pour monter là. Y'a pas l'ascenseur du coup là. Ok, c'est une shape.
Là on a 3000 mètres d'altitude. Et c'est plus d'escalade que je pensais. Je pensais vraiment que c'était un chemin qui montait plus doux. Et là il y a quand même une partie escalade. Mais ça le fait, c'est cool. Allez, on poursuit. Ok, team shape. On dort juste là-bas. On prend le refuge, on y est presque, on poursuit avec le sourire. Ok Guillaume, alors où est-ce qu'on est là? Alors là Thibaut, tu vois, on arrive, on vient de faire la première partie et on arrive au refuge de Tête Rousse, tu le vois là entre les nuages. Ouais, c'est là où on va dormir. Là par contre, on arrive sur un glacier. Sur un glacier, il faut qu'on s'encorde. Ok, d'accord. Voilà, on va mettre les crampons, le baudrier et la corde. Parce qu'on peut glisser là? En fait, tu vois pas là, mais là, il y a des crevasses, des énormes trous qui sont dans la glace. Ok. Et tu peux tomber dedans. Mais si tu veux, c'est caché. La crevasse, elle est profonde comment? Ça peut aller jusqu'à 100 mètres. Ah ouais, c'est badant, on peut tomber dans un trou. Tu peux tomber dans un trou. Ok. Comment ça s'est passé pour l'instant la montée pour moi? Tes impressions alors, par rapport à moi là? On voit que physiquement ça va. Okay. Par contre, il va falloir que tu gères ton eau. Okay. Là-haut, il y a de la glace partout, c'est des ressources en eau. Mais en haut, on peut pas la faire fondre. D'accord, ok. Après, il va falloir que tu fasses attention, c'est à tes pieds. Tu as tendance à mettre les pieds un peu partout. Pendant 600 mètres, on va faire de l'escalade un peu comme tu as fait sur la fin. Donc de nuit, avec la frontale, il va falloir que tu fasses attention. C'est que tous les blocs que tu prends, il va falloir que tu les testes. Okay. Tu peux pas te lancer la main sur un bloc et te dire ça tient. Ça peut être un petit caillou et putain, partir avec. Okay. Déjà pour toi, pour l'accorder, quand on va être trois dessus, il y aura Vanessa, toi et moi. D'accord. Si okay. Moi je tombe, c'est toi qui me rattrapes. Et y a pas de... on n'est pas suspendu, accroché à un truc qui nous retient au cas où? Et non, c'est... Bon, en attendant, on finit ça et on va se reposer. Allez, dernière étape pour la journée. Dernière étape, allez, on va mettre les crampons et le baudrier. Ah ouais. Alors, comment on met les crampons? Le dessus, donc on doit enfiler un peu comme des chaussures de ski, j'imagine. Right. Comme ça, ok. Là. Ah ouais, ok. Hop, on pose le et là. Ok. Hop, voilà. Waouh, ça a de la gueule là. Faut pas se prendre un kick dans la gueule là. Tac. Et là, le baudrier, c'est pour sécurité. Le baudrier, voilà, c'est ce qui va te permettre de te tenir en cas de chute. Je sens qu'on est haut quand même en altitude. Hein. Je sens que la tête. Ah, tu le sens, hein? Ouais, je sens que je suis un peu moins lucide. Faut bien respirer. Ouf, oh, aïe, 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 elles sont remontées. C'est bon, ça m'a réveillé, ça m'a refait un appel d'oxygène là. J'ai trébuché, je me suis pris une écharde. C'est un arbre, c'est pas une écharde. C'est un arbre. Ok, c'est bon, donc on a mis la petite veste, on a mis les crampons, on a mis les gants. On va finir les derniers mètres et on va se poser. Allez, c'est parti. Allez, on installe la corde. Hop, hop, hop. C'est bon? Ouais. Essaye de marcher calmement, comme je te disais. Ok. Je marche sur des œufs. C'est un autre délire de marcher, je marche avec ça. Ok. Pour ressentir sur les crampons. Ah putain, c'est un bordel. Bon là, tu vois, sur la neige, ça va bien quoi. Hein. Grâce aux crampons, on s'enfonce pas dans la neige. Ah. C'est pas que tu t'enfonces pas, c'est surtout que tu glisses pas. Ouais, ça aurait été une bonne première partie. Ça tape dans les cuisses quand même. Mettez un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Allez. Allez, c'est bon, on rentre dans le refuge. On va se poser un petit peu. Allez, go. Ok, la team shape, c'est parti donc. On commence à enlever les affaires. Là, dans un bac, on a mis tout ce qui est piolet, crampons. Parce que demain, on part à 1h du matin. Et il va falloir s'équiper demain matin dans le noir. Donc ça va être un bon délire. En attendant, on enlève les chaussures. Et on va mettre ces magnifiques crocs roses pour le reste de la soirée. Et vers 19h, on est au lit. On va avoir peut-être 5h de dodo max. Et demain, c'est reparti. Ok, la team shape, ça y est, on est arrivé dans le refuge. Donc c'est là où on va passer la nuit. Ce qui est cool, c'est qu'on est tous ensemble. Donc ça va être sympa pour le réveil à minuit, 1h du matin. Je sais pas vous là, comment vous êtes chez vous, mais j'ai l'impression d'être stone perso. J'ai l'impression d'avoir fumé je sais pas combien de tu sais, avec l'altitude, j'ai du mal à calculer un peu tout ce qui se passe. Et j'ai l'impression de planer en fait, tout simplement, ou d'être un peu en apesanteur. Mais c'est cool, on va bien dormir. Allez, à table. Tellement badage, j'ai trop fort. Confort les crocs. T'as le style ou pas les crocs? Ah, c'est cool. Ok les gens, il est 19h, c'est l'heure du petit repas. Après on va dormir. En entrée on a de la petite soupe, du fromage. Ça c'est pour l'entrée. D'habitude je fais attention à ce que je mange, j'évite un peu le fromage. Mais là j'ai tellement la dalle, je vais tout tomber. Je pense que je vais prendre ça mais que pour moi. Bon appétit. Le plat plus consistant, on a de la semoule, un petit peu de poulet pour les protéines et une petite sauce. Franchement, on mange super bien. Ok, c'est parti maintenant, petit dessert. Au dessert, nous avons un petit fromage blanc des familles avec un petit peu de confiture pour les glucides. Et on dirait quoi? Des noix de pécan? C'est quoi dessus là? Des cacahuètes. Voilà, pour la forme et l'énergie. Bon appétit. Ok les gens, allez c'est parti. Il est bientôt 21h, on va aller dormir. Mais avant, on prépare la marche de demain. Parce que demain, la chaussure, je risque d'avoir des ampoules comme c'est pas mes chaussures et que je suis pas habitué. Donc on va remettre des doses de, Comped, protéger un petit peu le pied. Vaut mieux assurer le coup. Parce que si on a des ampoules après pour marcher pendant 6h, ça va piquer un petit peu. Réveil à 3h15 du matin et après c'est parti pour l'ascension. À tout à l'heure. Ok,
Ok les gens, 21h, c'est parti au dodo. J'ai mis un sac à viande, une couverture, une autre couverture pour faire l'oreiller. Voilà, on va essayer de dormir et réveiller dans combien de temps du coup Guillaume? Et dans 5h. On va dormir vite, 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 vite. Allez, bonne nuit. Ok les gens, il est 3h21 du matin, on va prendre le petit déjeuner. Franchement je suis trop content, j'ai trop bien dormi. Pas beaucoup mais bien dormi quand même. Voilà, maintenant on va prendre le petit déjeuner et attaquer la journée. C'est parti. Ok, donc c'est l'heure du petit déjeuner. Donc malheureusement il n'y a pas d'œufs. Je voulais des œufs avec une petite omelette, malheureusement il n'y en a pas. On prête les moyens du bord. Il y a du pain, du fromage, du saucisson pour prendre des forces. Et bien sûr, un petit thé. Ça va le faire, ça va le faire. A tout à l'heure. Allez, ça c'est les miens ceux-là. Ok, on met les crampons. Donc c'est bon. On a mis le casque, on a mis la lumière, on a mis le gros manteau avec la capuche, les chaussures, les crampons. Il n'y a plus qu'à y aller. T'es chaud Guillaume ou quoi? Écoute, on est parti. Allez, l'Himalaya, à nous. Ok les gens, donc ça y est, on a combien là à peu près? Oh là on est à 3400. 3400 mètres d'altitude. Pour vous donner une idée un petit peu, c'est on dirait un grand escalier qui s'arrête pas, qui monte, qui monte, qui monte. Il faut penser à bien souffler pour oxygéner le cerveau, bien inspirer, bien souffler. Et surtout regarder ses pieds au final. Je regarde pas trop le décor, je regarde que mes pieds. On découvrira le décor dans la vidéo. Comment s'appelle là cet endroit? Alors là c'est le passage du couloir du goûter. C'est l'endroit le... C'est là on prend la collation et tout là. Là on ne traîne pas. Okay, c'est l'endroit problématique de la montée du goûter. Il y a des avalanches là... un peu des fois C'est pas forcément des avalanches mais c'est des chutes de pierre. Ok ok. Tu feras bien attention à tes pieds. Un pied devant l'autre. Regardez vos mains et pieds. Ok les gens, petite pause thé pour se réchauffer un peu. C'est bon mais c'est chaud. Allez ben, on va y retourner. Arrivé 300 mètres. 4 heures. C'est les jambes qui commencent à tirer. Sinon, c'est cool. Si c'est que les jambes, ça va. Ok, ça commence un peu à taper dans les jambes. On est bientôt arrivé au refuge du goûter. Ça le fait, ça le fait, faut bien respirer. Ça le fait, ça le fait. Allez Thibaut, petite pause. Les pieds plus importants que les biceps. Ah ouais. Je fais tout biceps là. Presque 4000. Presque 4000 mètres. Ah, j'ai les jambes sciées. Les biceps sciés. J'ai soif, j'ai faim. Sinon, c'est cool. Ah, c'est où là? Ah, c'est ouf. C'est trop stylé. Ah, je suis éclaté, mais c'est trop stylé. Regardez la descente qu'on a juste à côté. Ok,
que la Team Shape Lawn, refuge du goûter à 3800. 35 mètres. 35 mètres, c'est ouf, franchement. Plus on monte en altitude, moins on a d'oxygène. Il arrive que certaines personnes aient un mal aigu des montagnes. En gros, ça veut dire qu'on a taqué mal à la tête, envie de vomir, etc. Mais pour l'instant, ça va, je suis content. J'essaie de respirer doucement, toujours oxygéner le cerveau. Mais je sens que je suis un peu plus stone. Franchement, je sens que le cerveau, il y a un peu moins d'oxygène qui arrive. Mais c'est cool, on a une belle vue et c'est, ça a bien grimpé. Franchement, moi qui imaginais que c'était une sorte de petit chemin doré, tu vois. Du coup, Guillaume, comment c'est passé là? Je suis content de toi, tu vois. T'as réussi à gérer ton effort. Moi, ce qui m'importe, c'est que t'as pas mal à la tête. Là. Ouais. Tu en as pris le temps. Ouais. Et en prenant le temps, en fait, on arrive à monter. Maintenant, par contre, je sais pas si t'as vu ce qui se passait là-haut. Il y avait un gros nuage. Ces nuages, ça veut dire qu'il y a une grosse tempête en haut du sommet. Ah, pas peur. Dans la tempête. Ouais, non, mais la tempête à 4000 mètres, ça peut être vite dramatique. Là, on va se réunir avec les guides et on va prendre des décisions entre pots. Là, on part pour 4 heures de montée, 2 heures de descente. Là, on va monter, on va dépasser les 4000 mètres d'altitude. Donc, ça le fait, c'est cool. Et on met les petites. On met les petits crampons. Ah, j'ai l'impression d'être stone, mon gars. Ça, c'est juste défoncé. Il faudrait faire un aqua là, une petite chicha. Il y a Jean-Michmich qui check si les crampons sont ok. Merci Jean-Michmich. Dites en commentaire. Merci Jean-Michmich. Il pas monter à cause du beaucoup de vent. Mais là c'est trop ouf et il y a au taquet de vent. Donc il faut rester vachement solide sur les appuis. Mais c'est trop cool. Je vais pas trop parler pour garder de l'oxygène. J'essaie de respirer au maximum. Je parle pas trop. Allez la Team Shape, encouragez-moi dans les commentaires. Allez, on lâche pas. On respire. On est à 4000 mètres. J'ai les jambes tellement lourdes. Ça le fait. Faut qu'on réfléchisse en fait. Faut mettre un pied devant l'autre. Là, je baisse la montagne. Je fais l'amour au Mont Blanc. J'adore le Mont Blanc. J'ai pas de courbatures, mais j'ai les mollets pleins de sang là. Mais sinon, c'est cool. Sinon, là, je commence à avoir mal au pied là. Je peux. Ça tape dans les jambes. C'est bien poulet. C'est poulet ça. Donc on s'arrête là. Regardez juste derrière nous les gens. Regardez en face. Il est là, le Mont Blanc. J'ai envie de dire qu'on a fait le plus dur, mais c'est pas vrai. Le cardio ça va, c'est les jambes. J'ai les jambes coupées. Donc là on reprend un peu des forces. Du thé. Un petit peu de fromage, ouais, je vais t'en prendre un peu. Là je mange tout ce qui est possible là pour refaire un peu le plein d'énergie là. Et après ça ira, mais. Ouh, ça pique. Merci. Bon, un peu de cul. Ok, pause repas terminé. On termine les gars, c'est la fin. C'est la fin, c'est pas le plus facile mais c'est la fin. Ça c'est les protes ça. On garde le mental. Allez, dernière ligne droite. C'est bien les bâtons. Allez. 4300. Ah putain. Bravo Thibaut. Ah putain, j'ai les jambes coupées. Ça tape dans les jambes. Ça tape dans les jambes. Je suis en train de poser.
je suis éclaté. C'est pas facile là, c'est pas facile. Allez, tu es quoi, c'est là. Jamais j'allais y arriver quoi. Tu vois. Tu fais pour un premier en plat, hein. Merci beaucoup. Bravo. Descendu du Mont Blanc. Record. Ouais, je suis défoncé. Avec Thibaut Winchell. Je pense qu'on a fait un record du monde, non? Bravo. Enfin, bravo. Je vais me poser, attends, je ne veux plus là. Je vais crever sinon. Ah putain, les gens, ça y est. On est parti à 4h du matin, il est 18h, on vient d'arriver. Ah, c'était la pire épreuve de ma vie. J'ai des ampoules plein les pieds, j'arrive plus à bouger les pieds. Ah, c'était ouf, j'ai chialé comme une merde en haut en plus. Ah putain, c'est physique, c'est tellement physique. Je pensais pas que c'était aussi physique. Là, je vais juste me reposer un petit peu. Là, je viens d'arriver, je vais me poser un petit peu là. Et on fera un débrief après. À tout à l'heure, les gens. À tout à l'heure. Ok, les gens, donc ça y est, on a fait le petit bilan de tout à l'heure. Là, ça fait une petite demi-heure que j'ai retrouvé un petit peu mes esprits. Bilan, franchement, hein, c'était dur. C'était vraiment dur. C'était beaucoup plus dur que j'imaginais. Pourtant, je m'entraîne et je fais du sport tous les jours. Je bois pas d'alcool, je fume pas. Faire du sport en montagne, ça a rien à voir avec de la muscu ou du crossfit. Ça a rien à voir, c'est un sport différent. Et il y a une technique, par exemple, le fait de grimper avec les crampons. Il y a une technique pour essayer, pour pas se fatiguer. Et je me suis fatigué tout le long. Donc c'était super intense. C'était plus dur que je l'imaginais, mais expérience de fou. Là, juste envie de manger et dormir. C'est tout ce que j'ai envie. Ok les gens, c'est le lendemain de l'ascension du Mont Blanc. J'ai les pieds mais défoncés. Il nous reste encore une partie de la descente à faire. Du coup, il y a infirmière Vanessa qui va m'aider à soigner mes pieds. On va m'amputer, je crois, Thibaut. Ouais, j'ai des ampoules de malade mental. Tu vois, faut qu'elle se perce. Nickel. Ah là là, putain d'ampoule. Elle est énorme. Donc ça devrait m'occuper pour la petite descente là. Mais déjà, ça va te soulager. Lors de la descente, au revoir les nuages. Non, maintenant que tu sais mettre des crampons tout seul, tu vas pouvoir continuer. Hein. Je suis au bout de ma vie, les gars. Je suis au bout de ma vie. Je mange rien, on voit rien. C'est quoi ce sport? Ok, les gens, après le Mont Blanc, le plaisir. Allez, t'es prêt, Guillaume? Allez, go! Il y a des chutes de pierres qui sont tombées. Là, ils vont déposer du monde au refuge pour que l'hélicoptère il soit plus léger. Ils vont troyer un secouriste pour aller le chercher. Il y a souvent des accidents comme ça. Et alors, il y a souvent des accidents. Il faut faire attention et se dire que le Mont Blanc, c'est pas une randonnée. Pourquoi il y a toutes ces chutes de pierres? C'est à cause du réchauffement climatique en fait que les pierres sont moins solides, sont moins bien fixées à la glace et du coup peuvent chuter et blesser des gens. Ouais. Encore! Encore! Ok. Allez, Thibaut! Allez, là, il faut traverser. Il y a eu des chutes de pierres, hein. Ouais. On va passer très loin. La gérer, c'est bon. Putain, oh, putain. Allez, venez là. Allez. Fini. Je suis défoncé. Ça y est.
On n'a plus qu'à prendre le petit train et c'est bon. J'ai l'impression d'être Frodon des Seigneurs des Anneaux et d'avoir gravi la montagne de Sauron. D'avoir vaincu tout le monde et d'être redescendu. J'ai l'impression que je suis parti un mois alors que je suis parti trois jours. C'est ouf, c'était incroyable. J'ai plus de pieds, j'ai plus de gorge, j'ai plus de jambes, plus de mollets. Mais on rentre avec plein de beaux souvenirs et ça pas de prix, c'était trop bien, trop bien. Ok Guillaume, ça y est. On est descendu. Tu l'as eu. Oh putain, merci beaucoup hein. Merci beaucoup, de c'était ouf. Une grande expérience. Ah là, j'aurai un souvenir mais toute ma vie. Tes impressions alors sur ma montée? Bah écoute, t'es allé vraiment au plus profond de toi. Ouais. T'as vu que le Mont Blanc en fait c'est pas une randonnée classique, c'est pas un chemin. Et il y a des dangers, il y a de l'escalade, c'est de l'alpinisme, c'est de la véritable alpinisme. Ouais, non, mais sans guide, c'est impossible. T'imagines, t'es sportif, ouais. Et regarde comme t'as souffert. C'est ouf, hein. Imagine des gens qui n'ont préparé ouais. Jusqu'où ils peuvent aller, quoi. Donc, les personnes qui vont voir la vidéo et qui veulent faire le Mont Blanc, déjà prenez un guide, mais surtout préparez-vous. Déjà, il faut commencer par le matériel. Tu vois bien que c'est super important. Regarde ouais. Hier les températures qu'on a eues, ouais. Dès qu'il y a du vent, tu peux tomber à moins 10, moins 20 degrés facilement. Ouais. Et si t'es pas bien couvert, tu peux vite te geler. Est-ce que t'aurais un message à dire aux personnes qui vont voir la vidéo et qui veulent faire le Mont Blanc? Alors n'allez pas au Mont Blanc comme ça, la fleur au fusil. Il faut se préparer, bien organiser son séjour, faire quelques courses en montagne avant. N'allez pas faire le Mont Blanc sans rien faire. La preuve, Thibaut peut elle a encore des souffrances. Je l'ai fait, j'ai vraiment souffert. Franchement, honnêtement, je pensais pas que j'allais souffrir autant, mais voilà, c'est une super expérience. Mais c'était dur. Ouais. Merci beaucoup. Allez, Thibaut, génial. Bonne Allez, on va se poser maintenant. Je vais dans le bain, je vais soigner mes ampoules et voilà. Maintenant, je vais dormir, je vais me reposer. Ok, la team Shape, maintenant abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête. Juste ici, regardez une autre vidéo en cliquant là et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bye!